Coucou mes choupchoups, comment allez-vous aujourd'hui? Bien j'espère, puisque c'est Noël demain ou après-demain, ça dépend comment on voit les choses. Alors le 24 au soir c'est réveillon de Noël, le 25 c'est Noël, vous voyez ce que je veux dire, ça approche. J'espère que vous aurez tout ce que vous voulez et que ce sera du coup une excellente semaine, parce que pendant 2 jours là on fait que bouffer, ouvrir des cadeaux et se faire des câlins, etc. Et après on profite de nos cadeaux, donc normalement cette semaine c'est the semaine de l'année où tout doit bien se passer. Je croise des doigts pour vous, je croise des doigts pour moi aussi, parce que les Noëls, j'ai eu des années où c'était compliqué. Hein. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour la fin de mon calendrier de l'Avent Harry Potter. Oui. Et d'ailleurs j'ai eu l'idée d'un petit jeu. C'est un petit jeu. Alors bon, évidemment Merlin se couche sur la boîte, c'est évident. Il est instable en ce moment mon chat, hein. Il est instable. Hein. Donc le petit jeu c'est quoi? Et bah en fait, bon c'est un petit jeu pas foufou mais moi ça me fait rigoler. Hein. En fait chaque jour c'est notre personnage totem qui est symbolisé. Du coup, alors évidemment pour ceux qui sont nés entre le 25 et le 31, vous avez qu'à additionner vos 2 chiffres et ça vous donne un truc. Genre le 25, 5 plus 2 égale 7, donc votre personnage totem c'est le 7, tu vois ce que je veux dire? Du coup ceux qui veulent pouvoir jusqu'au 16, c'est la vidéo de la semaine dernière, et aujourd'hui on va faire du 17 au 24. C'est trop bien, je suis contente, j'aime beaucoup faire ça. En fait il faudrait un calendrier de l'Avent pour tous les mois de l'année. Je comprends pas que personne n'y ait pensé pour le moment. Pas forcément des trucs de Noël ou quoi évidemment, sinon ça n'aurait pas de sens. Mais des petits trucs sympas, tu sais, le fait d'avoir une petite surprise tous les jours. Bon là ok j'en ai 8 d'un coup, mais enfin je sais pas combien. Alors 17, qui c'est qu'on a? Je vois un cupcake, ça doit pas être ça. C'est Dumbledore. Dumbledore, oui je sais, moi je le blotte. Moi c'est Dumbledore, voilà, dans ma langue à moi, le fourche-tibou, c'est n'importe quoi. Alors nous avons Dumbledore, du coup, j'ai fait l'effort de le dire correctement, attention, voilà. Vous avez vu, je maîtrise le focus depuis la semaine dernière, hein. Ah bah faut le temps d'apprendre, hein. Alors, il est bien fait, encore une fois, il n'y a pas de problème, mais moi il me fait pas craquer, hein. Déjà en termes d'acteur, je préférais le premier Dumbledore, je le trouvais plus ressemblant par rapport à l'idée que je m'en faisais, mais l'acteur était mort, donc ils ont dû le remplacer, ce qui est logique, hein. Et j'ai un peu moins aimé celui-là, j'avoue, il faisait un peu trop hystéro pour moi. Pour moi Dumbledore c'est vraiment un mec calme, marrant, qui parle pas souvent tu vois, mais quand il parle tout le monde l'écoute, j'aime bien ce côté là, et cet acteur là je trouve qu'il le fait un peu trop en mode tu vois ce que je veux dire. Du coup voilà, 17 Dumbledore, ok. J'ai fait l'effort de le dire correctement pendant une ou deux fois, mais j'avoue que le naturel me rattrape, hein. 18, est-ce que ce serait pas Cédric Diggory? Ah je sais qu'il a des fans, moi j'aime pas, même avant Twilight j'aimais pas l'acteur, Robert Pattinson je crois, ouais non, et moi il me fait pas, mais là j'avoue encore une fois c'est un peu comme Crumb, je trouve que la pop le met plutôt pas mal en avant, il est beau gosse, là franchement tu vois pas son visage en vrai, ouais c'est convaincant quoi, c'est... Franchement, encore une fois, il y a le figurinophilie, ça parle, il est pas mal, c'est un beau petit Cédric, tu vois. Ensuite, 19, ah bah je suis efficace maintenant, je vais vite, hein. Ah bah clairement, hein. Alors, qui c'est? Je crois que c'est Neville. Alors Neville, on critique, mais déjà pour moi, j'aurais bien aimé avoir l'histoire de son point de vue aussi, je veux dire. Et puis maintenant, voilà comment il est beau gosse, hein. Enfin maintenant, il y a 5 ans de ça, parce que le temps a passé aussi d'avoir vieilli, mais voilà le petit Neville, regardez ça, je pense que c'est lui, hein. Encore une fois, je pense que la figurinophilie fait ses preuves, il est très beau en figurine, hein. Après c'est vrai qu'il n'était pas magnifique quand il était gosse, mais je trouve que dans les derniers films Harry Potter, Neville clairement il est sous-coté, hein. Tout le monde se fout de sa gueule spontanément, genre même quand il parle face à Voldemort, lui il se marre et tout, enfin tout le monde rigole, genre direct d'emblée c'est une victime quoi, non je suis désolée, moi Neville je le trouve charismatique et mignon, voilà, moi je l'aime beaucoup, et en plus il y a un truc, alors ça je crois que c'est dans les bouquins, pour le coup les fans pourront me le dire, mais il me semble que dans les livres, ou alors dans les films, je sais plus, bref, il y a un moment où Dumbledore il explique à Harry la prophétie. Parce qu'il l'a entendu, lui, vous savez, à l'époque de Trelawney, etc., quand elle l'avait raconté, c'est pour ça qu'il l'avait embauché, bref. Et il lui dit, tu vois, et il dit, la prophétie, elle peut correspondre à 2 personnes, toi ou Neville Londubat. Et Harry, il fait, bah, du coup, ça peut être l'un de nous deux, enfin, en gros, vous savez pas, quoi. Et Dumbledore, il fait, non, mais je crois que c'est toi. Et c'est tout, genre, il n'y a pas de truc supplémentaire. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était vachement dégueulasse, genre, ça se trouve, c'était Neville, en fait. Juste, l'autre, il a une intuition et ça en met un de côté. Enfin, voilà, la parenthèse, je crois que c'était dans les livres, je sais plus. Les vrais fans que vous êtes pourront me dire. Alors, numéro 20. Oh, c'est mon drago! Mon petit dragonou! Alors là, on a une flopée de beaux mecs, hein. En tout cas, en termes de figurines. Il est beau aussi, hein. Mon drago, il est beau en vrai, hein. Mais, là. Harry, j'ai vraiment dégueu à côté, hein. Même en figurine, hein. Clairement, regardez. Oh, il y a le soleil qui l'éclaire en plus, qui éclaire ses blonds cheveux. Regardez comment il est beau.
Oh, il est beau. Ah, il est beau. Franchement, il est grave cute. Qui n'aurait pas voulu aller au bal avec Drago? C'est quoi, vous me dites? Alors, dites-moi en commentaire, parce que je peux pas faire un sondage, il y a trop de persos. Si vous étiez dans Harry Potter 4 et que vous pouviez aller au bal avec un des gars ou une des meufs qui y allait, donc dans cette année-là, faut pas tricher, faut pas mettre des gens qui viennent avant, après, genre Olivier Dubois, il est déjà plus là, tu vois ce que je veux dire? Donc avec qui vous iriez? Voilà, tout simplement. Moi, je pense que c'est bon, Fred ou Drago. Mon cœur balance, tu vois. Mais il y a du choix quand même, il y a du choix. Je suis contente. Alors les 20, vous avez de la chance, hein. Enfin, en symbole, Drago, c'est pas dingue, mais 21. Ah bah là. Ah bah là, non mais là. Là, on a un personnage imposant. Ah, oh, vous devinez, je suis sûre. C'est Hagrid, bien sûr. Regardez-moi cette belle barbe fournie. Il était mignon quand il dansait avec Madame Maxime au bal. Il est cute hein, quand même. Hein. Bon alors après, est-ce qu'on a envie de vraiment se faire piétiner par Hagrid quand on danse? Parce que Madame Maxime, elle s'en sort à peu près parce que c'est aussi une demi-géante, tu vois. Mais nous, en tant qu'humble mortel, pour peu qu'on soit pas bien grande, non plus genre 1m60, 1m70 comme moi, tu vois, ou même 1m50, clairement, on lui arrive même pas au coude au gars, donc c'est compliqué quoi. Mais il est cute, et alors je pense qu'il est un peu plus grand, ouais, comme Madame Maxime, mais de peu, hein. Faut vraiment le savoir. Mais il est quand même un peu plus grand que la moyenne des figurines. Donc il y a quand même une différence qui est notée, tu vois. Très bien, bah alors en termes de passer la nuit avec ou pas aller au bal avec, peut-être pas Hagrid, mais en termes de symbole, c'est un perso vachement cool. Hein. 22, il nous en manque que 3. Qui c'est qui peut manquer? Hermione, of course. Putain, ils l'ont gardé. S'ils ont gardé Hermione pour le 24, je suis pas contente. Hein. Genre, mais sinon, il nous manque qui? On a eu Rogue. Ah, Lupin! Lupin, c'était dans le 4? Non, Lupin, c'était dans le 3. Qui c'est qui nous manque? Je vois pas qui c'est. En roux, qui c'est ça? Bah c'est Ron. Mais on a eu Ron la dernière fois, non? Bah attends. Qu'est-ce que c'est que ce mystère? Pourquoi j'ai deux Ron? À moins que ce soit un autre. Ah, à moins que ce soit Percy? Mais non, c'est pas possible. Pourquoi on a deux Ron? Je comprends pas. On l'a eu la dernière fois, Ron. Je suis pas folle. Alors, il m'en manque des Weasley en soi. Il manque Percy, il manque Bill ou Charlie, mais ils étaient pas au bal, donc. Et je crois que dans le bouquin, Percy n'y était pas non plus, peut-être, je me rappelle plus. Si, peut-être que Percy était encore là à la coupe de feu. Je me rappelle plus dans le livre pour le coup. Mais là, c'est clairement la tenue de Ron. Avec l'espèce de neuneu là. Mais alors, c'était qui l'autre roux que j'ai eu la dernière fois? Oh là là, ça me biaise tout, faudrait que je regarde moi-même mon autre vidéo. Donc, je me rappelle plus. C'était peut-être deux Ron, ça me paraît beaucoup quand même. Je sais pas, c'est bizarre. Surtout que, bah, peut-être qu'après ils se sont dit qu'il nous manquait des persos, mais on n'a pas eu Hermione encore, hein. Donc, ok. 23. On approche. Tu vas voir qu'on va se taper Hermione pour le 24. C'est. Ah non! Ah non, ah non, ah non! Le 23. Le 23, c'est Hermione en robe rose. Ah, allez, j'avoue, c'est pas. Alors, encore une fois, j'aime beaucoup le personnage d'Hermione, mais je suis pas fan du jeu d'Emma Watson, personnellement. Et j'avoue que la scène du bal avec Hermione, avec Victor Crumb, etc., l'espèce de triangle amoureux, je l'ai trouvé très, très ado, en fait, très surjoué pour le coup. Par contre, les détails sont très jolis, hein. Donc moi, j'étais déjà trop vieille quand le film est sorti, hein. Mais le côté allez-vous coucher, puis qu'après elle pleure sur les marches. Ouais, bon, tu vois, et en plus en enlevant sa chaussure parce qu'elle a une ampoule, tu vois, genre le cliché de ouf. Bon, ça c'est souvent vrai parce qu'on se nique les pieds juste pour être jolie, ça c'est classique. Voilà, j'ai trouvé que la scène était bien filmée, mais les comportements étaient assez, tu vois, genre blockbuster pour le coup. Tu vois, j'ai pas trouvé ça très psychologique. Par contre, j'avais beaucoup aimé dans le bouquin, je m'en souviens. Faudrait que je les relise. D'ailleurs, il y a le grand format là que je sais pas si vous allez les voir. Non, vous allez pas les voir. J'ai les grands formats Harry Potter illustrés, je les achète au fur et à mesure qu'ils sortent, ou alors je me les fais offrir pour Noël par exemple. Et j'ai le 3 que j'ai pas encore lu, et il y a le 4 là qui sortit là, donc je pense me le prendre, ça va être l'occasion de le redécouvrir. En tout cas, la figurine est très jolie, et pour le coup, je suis bien contente. En fait, le détail de la coiffure, je trouve génial. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a vachement de détails. Ok, bah alors maintenant, qui est le 24? Parce que je ne vois pas. Alors ça veut dire c'est plus important qu'Hermione? Attention, on me dit pas que c'est Harry, déconne pas. C'est Harry. Oh là là. Mais on a déjà eu un Harry! Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'en avoir deux? Ah, il a enlevé sa veste, quoi. Oh là là, il se la pète tellement. Oh là là, mais c'est tellement pas crédible. Regarde. Non mais franchement, quoi, pour le 24, à quel moment c'est une récompense? À la limite, t'aurais mis Harry torse nu pour la blague, genre le cadeau de Noël, tu vois, Chip and Dale, machin, ok, pourquoi pas. Ou Fred torse nu, n'importe qui torse nu. Ou même, je sais pas,
quelqu'un de plus cool. Non mais Harry, il est chiant, on est d'accord quand même. Qui veut un Harry pour Noël? Genre, imagine, tu te lèves le matin de Noël. Bon, ok, le 24, c'est le réveillon, d'accord. Bon, tu vas te coucher le soir du réveillon de Noël, et là, dans ton lit, ou à côté de ton lit, si tu... Bah, oublions le côté sexuel. Ou à côté de ton lit, t'as un des persos de la licence qui pop. Tu prends pas Harry. Il fait que chouiner. À coup sûr, tu prends Harry pour ton réveillon, il va se plaindre toute la nuit. Il va s'asseoir et faire... Oh, c'est pas facile, ma vie, tu sais... Ah, ma cicatrice, elle me brûle. Ah, puis j'ai perdu machin. Et puis j'ai perdu truc. Ah, puis il fallait que je me débrouille tout seul pour faire ça. Ah, mais j'ai toujours eu beaucoup de chance. Hein. J'ai aucun talent. Non, mais ça va, maman, arrête de chouiner. Tu vois, c'est ce que je veux dire? Il y a pas de conversation à part ses problèmes. Donc, moi, le soir du réveillon, non. Hein, même s'il est bien habillé. C'est vrai qu'il a fait l'effort d'une pape. Ça, c'est plutôt cool. Mais il fait très agent secret, je trouve. Avec la position, genre. Tu vois? Ok, bon, bah, soit. Alors, j'aurais préféré Hermione pour le 24. Je l'ai dit. Non, mais j'aurais préféré Hermione dans sa belle robe rose pour le 24. Au moins, elle a fait l'effort de la tenue et puis elle a quand même plus de conversation que Harry, quoi. Alors, pour cette fournée-là, je dirais que mes préférés, ça serait ou Neville, si je dois faire un top 3, on va dire à égalité, Neville, Drago ou Hermione. Oui, je mets Hermione dedans parce que je trouve la figurine très jolie et j'avais bien aimé le look qu'elle avait dans le film également et la mise en scène, même si, voilà, encore une fois, niveau intensité dramatique, ça pêchait un petit peu pour moi, mais bon. Et après, sur l'entièreté de du calendrier, franchement, je suis satisfaite. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de soins que l'année dernière. C'est Merlin qui est monté sur son arbre. Il y a beaucoup plus de soins apportés donc aux personnages, au design, etc. par rapport à l'année dernière. L'année dernière c'était joli, hein, mais là c'est vraiment soigné. Et puis ouais, j'aime bien l'histoire, le fait que ce soit axé sur un moment des films. Enfin, je trouve ça cool. Donc écoutez mes amours, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé et qui est votre personnage totem. Moi du coup c'est Fred. On peut pas faire exprès ce genre de choses, hein. On était destinés l'un à l'autre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous, passez une excellente journée, profitez bien de la veille de Noël, après tout c'est le meilleur moment parce que ça n'a pas encore commencé. De toute façon, c'est toujours les moments que je préfère, t'y es pas encore, tu vois. Tu sais pas encore s'il va y avoir une embrouille entre ton oncle et ta tante, tu vois, tu sais pas encore ce qui va se passer, t'es juste dans l'attente d'un moment qui doit être positif, et donc ce moment-là c'est le meilleur. Donc savourez bien, savourez cette veille de réveillon, savourez le réveillon, savourez Noël. J'espère que vous serez tous très gâtés parce que je suis persuadée que vous le méritez tous. Profitez bien, et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.